Après un petit passage ce matin à Nogent-le-Rotrou, donc pour le 11e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Donc comme je disais ce matin, Nogent-le-Rotrou, à peu près 40 personnes de présentes. Donc nous voici cet après-midi à Chartres, donc pas très loin de Nogent-le-Rotrou, à 60 km de Nogent-le-Rotrou, pour une grosse mobilisation paraît-il. Donc on va les attendre et on va vous faire voir si vraiment les chiffres sont bons, s'il y a beaucoup moins de mobilisation. Et voilà, on va vous faire suivre ça toute cet après-midi. Au final, ce sont 500 personnes qui étaient présentes ce samedi pour l'acte 11. Le cortège a démarré près du centre commercial Carrefour aux alentours de 14h. Après 2 heures de marche, le défilé qui s'est déroulé sans heurts et plutôt joyeux s'est arrêté devant la stèle Jean Moulin où les gilets jaunes et citoyens mécontents ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes du mouvement. Ils sont venus d'un petit peu partout de l'Eure-et-Loire, Illiers-Combray, Châteaudun, Dreux et bien sûr Nogent-le-Rotrou. Puisqu'une vingtaine de personnes du camp du rond-point Michel Ollier se sont déplacées après la marche qui avait lieu le matin dans la cité Percherolle. Ah bah il y a nos antennes qui sont là, oui. Voilà. Mais plutôt que de parler, je vous laisse regarder les images de cet après-midi à Chartres. Samedi 2 février, une nouvelle marche devrait encore s'y dérouler et les Nogentais ont déjà prévu de s'y déplacer encore plus nombreux. Le Perche Web TV y sera encore samedi 2 février. Et n'oubliez pas que si vous voulez vous exprimer, il n'y a qu'à venir à ma rencontre et je vous donnerai la parole bien sûr. Alors bien loin des 1500 personnes attendues, mais d'après les organisateurs, donc 500 personnes sont présentes malgré la météo défavorable. Donc 500 personnes présentes sur cette marche. Donc à Chartres. Donc on peut noter que parmi les manifestants et citoyens mécontents qui sont venus à Chartres, donc il y a à peu près une vingtaine de personnes qui sont venues de Nogent-le-Rotrou, donc qui sont venues à plusieurs de Nogent-le-Rotrou pour montrer leur mécontentement. J'avais été, la première fois que c'était le 8, en plus, comment
crois pas. Bah, moi non plus. Destituer les gens du gouvernement, c'est une façon de modifier la Constitution, de proposer des lois ou d'annuler des lois. Donc avec le RIC, en toute matière, on pourra faire ce qu'on veut en tant que citoyen. Tout sera soumis à l'ensemble des citoyens. Voilà, tous les gilets jaunes d'Eure-et-Loir ont signé. Donc en gros chaque samedi c'est quelqu'un de différent qui signe. Alors on est une vingtaine à signer. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de chef. On est tous des gilets jaunes. Il n'y a pas de chef. C'est tout ce qu'on veut. Et le samedi, il y a toujours autant de monde à venir? Ou alors, vous sentez qu'il y a une petite baisse ou pas du tout? Ah non, au contraire, ça augmente. Ça augmente. Ça augmente de semaine en semaine. Voilà. Oui, parce qu'ailleurs, on a l'impression que ça baisse quand même. Ah non, les chiffres disent, ah non. Ça augmente depuis deux semaines. Il y a eu la fête, les fêtes de Noël, mais là, ça reprend de plus belle. Et il faut savoir que là, dans 15 jours, on aura une affluence de gilets jaunes quand les premières personnes vont recevoir leur première butin de paye avec les impôts retirés dessus. Mais vis-à-vis de la population d'ici de Chartres, vous êtes bien accepté ou alors il y a de la réticence Je pense que les gens sont tous, tout le monde est gilet jaune. Après, il y a des gens qui osent pas le montrer comme nous aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et c'est pas que Chartres aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le département qui est là. Moi, personnellement, je suis femme. Voilà, c'est vraiment tout. Oui, là, il y a du monde de partout, en fait. Il y a des gens d'Illiers, il y a des gens de Châteaudun, il y a des gens de Dreux, il y a des gens de Nogent-le-Roi. Il y a vraiment tout le département qui est là aujourd'hui. Il n'y a pas eu un secteur. C'est tout le monde qui est là. D'accord. Voilà. Moi-même, je suis Nogent-le-Rotrou. Hein. Ben voilà. J'ai fait la route spécialement pour vous supporter. Voilà. Voilà. Bon, ben, merci. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. On est là, on est là. On est pas fatigué, on est pas fatigué. On est pas fatigué, on est pas fatigué. On est pas fatigué, on est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Macron, tu m'en fous. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. On n'est pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. On n'est pas fatigué. Oh!
Reste fier, enculé. Ça marche dans les deux sens, hein. Allez-y, je vous écoute, c'est ce que... Non, je dis juste que ça marche dans les deux sens. Ça donne certes pas une bonne image, mais en attendant, l'État, ils en donnent pas une bonne non plus. On a manifesté, ça fait 11 semaines qu'on manifeste tous les week-ends. Je pense qu'ils auraient pu arrêter ça beaucoup plus tôt s'ils avaient pris leur responsabilité. Ils ont préféré jouer la montre. Malheureusement, je pense que ça va se retourner contre eux au fur et à mesure et ils vont pas avoir le choix que de plier au bout d'un moment parce que... Il va falloir qu'il y en a qui cèdent dans les deux sens, effectivement. Ouais, mais je crois qu'ils pensent pas que ce soit les bonnes personnes qui vont céder. Hein. Les Français sont enfermés, les retraités, les jeunes n'ont plus l'avenir. Ton système, il est pourri, Macron. Va-t'en, laisse-nous tranquille. Laisse les citoyens vivre par eux-mêmes et avoir une existence qui nous choisit. Il y a plus de monde. Ouais. On les fait gueuler. On les fait gueuler. Macron, au pouvoir, au pouvoir. Macron, démission. Macron, démission.
morts, blessés encore. Il faut qu'on prépare tous ensemble. Grève générale. Ouais. Le système économique notre ennemi. Ouais. C'est pas les représentants de l'ordre. Ils font leur boulot. Mais notre ennemi, c'est l'économie. Si on arrête tous d'acheter des stupidités étrangères, qu'on achète local, on prépare tout ça. On va la remettre à l'envers. Voilà. Et le pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple au pouvoir. Ouais. Comme à chaque fois obtenu, et on vous en remercie d'avance et on pense très fort à eux. Quelqu'un pour le temps de départ, s'il vous plaît. Main sur le cœur. J'arrive. C'est parti. Merci à vous tous. Je voudrais vous remercier tous, parce qu'aujourd'hui on vient encore de montrer à Chartres qu'on est capable de manifester dans le calme et dans la sérénité. Et merci à tous les gilets jaunes de Rélois d'avoir organisé cette démonstration de puissance. Et j'espère que samedi prochain à Chartres, on sera encore plus nombreux. Alors n'hésitez pas, appelez vos amis, venez avec des amis encore. Franchement, on vous aime. Là, je vous demande à tous la dispersion dans le calme. Enlevez vos gilets jaunes, rentrez chez vous et allez à Paris. Allez à Paris pour l'anomalie de nuit. On vous attend tous à Paris dans une heure. D'accord? Tous à Paris. Sachez que les fleurs aussi ont été offertes par un commerçant de la ville. Bravo à lui, merci à vous. Donc voilà, petit après-midi à Chartres est terminé. Donc environ 500 personnes qui étaient présentes sur cette marche. Donc avec un petit passage dans Chartres. Et ensuite une minute de silence place à côté de la place des Éparts, là sur un monument. Donc voilà, malgré tout, ça s'est bien passé. Aucun problème. Comme disait, voilà, tous les gilets jaunes de Nantes. Petite vingtaine,
on fait au moins l'effort de venir. Ce qui serait bien aussi, c'est que de temps en temps, ceux de Chartres reviennent sur Nogent. Ce serait pas mal. Parce que c'est les petites villes, hein, qui souffrent quand même. Transport, médecins, tout ça. Donc, voilà.